Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur un nouvel épisode de Robocraft avec un nouveau robot comme vous pouvez le voir chers amis. Donc je l'ai gardé le nom Spray Anti-Mouche. Aussi quelqu'un m'a prévenu qu'il m'avait acheté un vaisseau. Voilà, bah je te remercie. Donc alors attends, parce que t'as un nom à la con. je vais te relire. Excuse-moi. Hop. Je sais que t'es là. T'es là. T'es pas loin. Hop. Mince, je t'ai plus. Je vais te retrouver, je m'en fous, je te retrouve. Bouddha le retour, voilà, c'est ça. Donc je te remercie, excuse-moi. Bah, j'en ai chié. Donc je te remercie de ton aide pour la construction des robots. C'est sympa. Donc j'ai construit ce robot. C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas s'il est efficace. On verra bien. Hop. Et on se lance dans la battle. Et on part en battle arena comme d'habitude. Et on va voir si effectivement il est efficace. Je l'ai même pas testé en practice. Hein. J'y vais comme ça. À la McDo. Venez comme vous êtes. Et ben voilà. Ouh là là. Je le vois déjà penché, bizarrement. Hop, allez, on y va. Ah, c'est pas très 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 rapide, hein. Oula! Mais t'es con toi! Dégage! Dégage! Tu me fais chier! Ah, ça se baisse comme robot en fait. Ah, c'est intéressant. Hop. J'espère que c'est pas un ennemi qu'on a au-dessus. Hop. Bah voilà, il me semble assez efficace ce robot. Alors. Voilà. Et de deux. On progresse. Ce serait bien de spot les ennemis. Merci. D'accord, donc bizarrement, ce robot est extrêmement fragile. Est-ce que j'ai un heal derrière moi? Non, pas du tout. Dommage, j'aimerais bien en avoir un. Hop. Eh ben, on recule. Donc ce vaisseau est extrêmement fragile, je ne comprends pas pourquoi. Quand j'en bute, quand j'essaie de tirer sur d'autres, j'en prends plein la gueule. Oula. Bon, ne pas tourner avec ce vaisseau. Trop dangereux. Hop, les. Voilà, un petit coup de heal, ça fait du bien par où ça passe. Par contre, si tu pouvais commencer par réparer ma deuxième jambe, ça serait cool, merci. Hop. Alors, je veux que savoir, est-ce qu'il va grimper cette pente? Et sinon, est-ce qu'il va réussir à sauter?
Bah il la grimpe. Pouah. Hop. Voilà. Ok. Allez, d'accord, oui, je comprends pourquoi il est faible en fait. Ok, pourquoi pas. Va falloir que je déporte cette connerie que j'ai faite. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Donc mon vaisseau est en fait extrêmement fragile une fois de plus. Hop. Voilà. What, ils sont deux, non. Bla. Salaud. Salaud. Hop les. On y retourne. Hop. Prends tellement cher, mon pote. Voilà, vengeance pour toutes les fois où je me suis fait poutrer à 8000 bornes. Hop. Comment je vais faire pour résoudre ce problème au milieu? Ah si, j'ai. Hop. Aïe. 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 Hop. Vite. Alors, ça se passe pas trop mal. Je pense qu'on a un léger avantage, pas énorme, mais malgré tout il est présent.
Hop. J'aimerais en trouver un Noil. Je crois pas qu'on en ait. Si on en a un, on a Ray NG quelque chose. Ce serait cool qu'ils viennent. Là. Merci. Vraiment sympa de ta part. Hop. Hop. Ah bah la musique en chie d'un coup, allez comprendre. C'est casse-couille ça, regardez ça. Hop. Bla. What? Je l'ai même pas vu venir! Salaud! Il m'en falloir un comme ça aussi, chers amis, je pense. Je pense. Et on a perdu encore une tour, génial. J'ai l'impression que plus je me démène pour aller en chercher une. Hop. On y retourne. Hop. Là, vous voyez, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait au niveau de cette chose-là. Je pense que justement, ils auraient dû rajouter du sprint. Ils la font s'accroupir, chose que fait déjà le walker. L'équilibre de cette bestiole-là est encore plus important. Enfin, des deux jambes comme ça est encore plus important que celui du walker. Donc je pense qu'ils auraient dû faire un run. Tout simplement. Mais bon, c'est que mon avis, hein. Hop. Voilà. Allez, non, il reste un point. Putain, non. Parfait, merci les gars, c'est sympa. Ah, puis il m'est passé devant le nez, c'est dommage. Hop. En fait, ils nous gardent tous ici. Le problème, c'est qu'il y en a déjà deux sur place qui font une quantité assez intéressante de dégâts. Ce qui rend les choses extrêmement inutiles. Ok, là, ça pue. Hop. Clock cycle booster activated. Your little fusion tower is under attack. Alors, on va essayer de remonter sur la colline. Your little fusion tower is under attack. Your little fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Your bottom fusion tower is under attack.
Hop. Hop. Va essayer de nous prendre par derrière. Qu'est-ce que je disais? Ils s'y mettent à plusieurs en plus. Dégage. Hop. Dégage. Voilà. C'est bien. Moi, je vais rester là. Ça va pas être plus mal. Hop, c'est pas trop trop mal. Je commence à avoir des petites idées quand même, mais bon, on verra bien. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est rusher. Il y en a deux qui rushent. Hop. On a combien de flyers? Medic copter spotted. Tesla flyer spotted. Your top fusion tower is under attack. You have captured the enemy's bottom fusion tower. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Allez, bourrez-le. Parfait. Bon, ben voilà. Et ben on a enfin réussi. Donc avec un robot qui est pas entièrement parfait. D'ailleurs je pense que je vais aller le résoudre quelques problèmes avec lui dès maintenant avec vous. On va aller assez loin je pense avec ce robot SMG. On verra bien ce que je peux en faire. Il va falloir quelques crédits encore, je pense. Je pense m'être fait à peu près 600 000 sur celle-là, je dirais. C'est ça, à peu près 500 000, voilà. J'étais un peu trop... Ah, une étoile, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave.
Donc, on a des trucs à modifier sur ce vaisseau. En l'occurrence, ça se barre. Ça aussi. Hop. Hardware. On retourne dans hardware, on va prendre ça. Ok, c'est très bizarre, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il veut pas maintenant? Voilà. Ok, pourquoi pas. Du coup ça, je remets. Ça, je remets. Hop. Ça aussi. Non, là j'avais mis ceci. Hop. Ça, du coup, j'en mets une là. Je peux pas en mettre une là? Pas du tout. Dommage. Est-ce que je peux peut-être mettre une... Non plus. Bon, vraiment dommage alors. Ce qui fait par contre que j'ai un gros manque de protection ici. Hardware. Oh, ça pourrait être sympa ça aussi. Ça rend les choses pas si mal en fait. Et si j'inverse, est-ce que je peux par exemple en rajouter une deuxième couche? Trop peu demandé, c'est ça, c'est trop demandé. Bon, et par contre, est-ce que je peux rajouter par exemple ce genre de choses là? Ouh. Donc, faut que je rachète deux MK10 comme ça. Hop. Fait. On les achète. On va les placer. Où sont-elles? Ici. Voilà. Ensuite. Est-ce qu'il y a moyen que je place autre chose ailleurs? Genre des choses comme ça. Apparemment non. Bon, je peux placer celle-là aussi, donc je vais replacer deux. C'est pas grave, tant que ça marche. Ah bah attendez, j'en ai deux dans le dos, je crois. J'en ai deux dans le dos, elle protège assez bien, il m'en faudrait quatre au total donc. Hop. Ah, il m'en manque un. Il manque de quoi en acheter une. Non. Je vais virer celle-là. On va voir si je peux m'en acheter une autre. Toujours pas. Si je vire celle-là. Toujours pas. Si je vire ça. Ah, je peux m'en acheter une, mais c'est pas la bonne que j'ai cliqué. Hop, ce serait con de... perdre de l'argent inutilement. Hop. Alors là, ça passe pas. Là non plus. Je les ai pas achetés inutilement. Juste au moment où j'étais en train de dire qu'il fallait surtout pas que je les achète inutilement. Bon.
Ah, j'ai trop de flops en plus. Génial. Hop. Bon, bah là, il est prêt pour se défendre. Techniquement. Hop. Bon. Alors, juste pour information, maintenant, je vais aller voir un truc. Ça, ça coûte combien en... Ça coûte 32, 64. Je vais pas avoir ce qu'il faut, dommage. Bon, je pourrais pas en rajouter deux de plus. C'est vraiment, vraiment dommage. Bah écoutez les amis, j'espère que ce robot vous plaît. J'espère que le style de gameplay qu'il apporte vous plaît aussi. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour un autre épisode de RoboCraft. Salut les gens!